Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la Glossy Box de décembre. Et elle ressemble à ça. Elle est pas trop belle, franchement. La boîte est super, super jolie. Voilà, c'est vraiment une boîte spéciale Noël. Même le blanc, voilà, il a tout le pourtour super joli, rouge et blanc. Donc là-dessus déjà, on n'a rien à dire. C'est totalement dans le thème. Donc l'intérieur se présente comme ça. Et donc voici l'intérieur de la box. Donc on a le Glossy Mag de décembre comme d'habitude. Un joli ruban rouge. Et voilà, pour pas changer. Donc ça c'est cool. Donc de la protection, ça c'est bien aussi. Alors, je vais faire dans l'ordre du sommaire. Donc c'est, elle s'appelle Conte de Noël. Voilà, donc il y a une, petite histoire. Je trouve ça assez sympa avec Joséphine. Voilà, petite histoire comme ça. Donc je trouve ça mignon. Donc on va commencer par le premier produit que je trouve. Donc s'appelle Un regard légendaire. Donc c'est la marque Être Belle Cosmétique. Donc c'est un roll-on caviar qui coûte les 15 ml, 41,90€, et nous on a un 10 ml. Alors franchement, rien à dire. Donc ça à la base, c'est un anti-cerne et anti-poche. Donc ça sent pas mauvais. Bon, je sais pas si vous allez voir, ça brille un peu. Je sais pas ce que ça donne. Mais je testerai et puis je vous dirai si c'est bien ou pas. Mais je pense que ça, ça peut être pas mal. Ensuite, alors ils disent Nocibé Famous Eye Crayon Maxi Jumbo Paupières. Donc je pense que c'est ça. Voilà, donc oui c'est ça. J'ai... Donc ça, ça coûte 9,95€. Donc c'est un fard à paupières. Hop, en stick, comme ça. Alors moi j'aime bien les trucs comme ça. Donc la couleur, ah ça j'aime bien. La couleur est plutôt sympa, c'est assez brillant. Donc ouais, ça je suis très contente. En fait c'est un rose gold. Et ouais, rose doré et voilà, à tester, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, donc nous avons une lotion tonifiante visage, donc on a vraiment le full size de 200 ml. Ça, ça coûte 10,70€, c'est la marque Kueshi. Donc ça, ça peut être super bien, sans parabènes, voilà. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ça sent plutôt bon, j'aime beaucoup l'odeur. Ça a l'air très frais, et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit truc comme ça, où vous avez le truc qui s'est projeté. Voilà, donc ça c'est bien. Ouais, lotion tonique comme ça, à la camomille et au calendula. Et à l'aloe vera, donc ça c'est cool, c'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, après, qu'est-ce qu'on a alors, on a un joli petit bracelet chaperon rouge. Donc c'est ça coûte 25€. Voilà, je trouve très mignon. Après, je ne sais pas le genre de bracelet que je mettrais personnellement, donc peut-être que je l'offrirai à une petite fille. On a également un rouge à lèvres, donc de la marque Tease Cosmétique. Donc il s'appelle Oasis Gem, 20,06€ les 2 grammes. Donc c'est un mat. Donc moi j'ai eu la teinte Cara Crimson. Donc c'est cool, c'est vraiment des couleurs, couleurs totalement pour l'hiver. Et elle a l'air plutôt jolie. Je vais mettre là.
Donc voilà, c'est vraiment une couleur bordeaux prune. Il est plutôt joli. Après, c'est extrêmement foncé, mais ça peut être très sympa. Voilà, à tester. Donc ça, c'est cool aussi. J'adore avoir des rouges à lèvres, hein. Et le dernier produit que j'ai eu, c'est donc de la marque Académie Paris. Donc Académie Scientifique de Beauté. Donc c'est un masque multivitaminé. Donc les 75 ml coûtent 38,50 €. Moi, j'ai un 15 ml. Donc ça peut être très bien. Et c'est pour une peau lisse et éclatante. Donc ça, c'est pour toutes les peaux, je suppose. Pour tout type de peau. Donc ça, c'est cool. C'est un anti-âge, donc ça c'est bien, donc ça me convient parfaitement. Voilà. Et donc je vais vous dire pour le mois prochain ce qui nous attend. Donc résolution numéro 1, donc c'est le teaser janvier, l'atelier du bonheur. Résolution numéro 1, me faire plaisir. Résolution numéro 2, sourire à la vie. Résolution numéro 3, me réjouir de ces bonheurs quotidiens. Pour nous, la nouvelle année sera placée sous le signe de la joie, de la bonne humeur, mais surtout du bonheur. Dans votre prochain et tout premier coffret de l'année intitulé L'atelier du bonheur, nous avons rassemblé tout ce qui pourra vous rendre heureuse, à commencer par une marque que vous avez plébiscitée. Tout fait sera de la partie pour, nous l'espérons, votre plus grand bonheur. Mais en attendant les 12 coups de minuit et l'arrivée de 2016, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine. Donc voilà. Donc c'est cool, je suis plutôt contente de cette box. Franchement, voilà, les produits qui sont à l'intérieur me conviennent parfaitement. Les couleurs, voilà, même le rouge à lèvres qui est extrêmement foncé, mais alors voilà, ça peut rendre super bien avec un beau make-up pas trop chargé, avec ce crayon sur les yeux. Le truc caviar là, le truc caviar, bien Audrey. Le roll-on caviar à tester. Enfin, donc, je voilà. suis plutôt satisfaite de ma dernière box de l'année. Donc, voilà. Si vous l'avez eu également, bah, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, j'espère que cette vidéo spéciale unboxing de la Glossy Box vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!